Pour moi, une bonne course, je suis content, satisfait, j'améliore mon temps par rapport à l'année dernière. Je reviens petit à petit sur la course à pied, j'avais arrêté pendant 3 ans, voilà, que de satisfaction. Donc, c'était un beau parcours, sympa, malgré la pluie qui rend le terrain un peu glissant. Mais avec des bons concurrents, c'est sympa. Alors, on s'est tiré la bourre un peu avec Jean-Philippe alors ? Oui, bah écoutez, moi content d'être sur le podium, c'est vrai que ça a été une course assez disputée, on est parti groupé au départ. Puis les conditions étaient un peu difficiles au premier tour quand même avec le vent et la pluie. Moi je me suis accroché parce que devant ça allait un peu vite maintenant pour mes jambes. Hein. Je vais sur 46 à la fin de l'année donc ça commence un peu à faire. Donc je me suis accroché et puis le deuxième tour je me détache du quatrième et je reviens progressivement sur Laurent et dans la côte et puis je donne tout ce qui me reste sur la fin, donc content d'être deuxième. Satisfait du chrono ? Ouais, satisfait du chrono, ouais, parce que c'est un parcours qui est quand même bon roulant sur une partie, mais avec des bonnes bosses qu'on fait deux fois. Il est exigeant quand même avec un terrain qui est pas très stable, hein, c'est assez glissant. Et non, c'est bien. Qu'est-ce qui vous attend comme épreuve maintenant ? Personnellement, je vais faire un 3000 mètres aux interclubs pour le club de Taon le prochain tour. Et puis je vais préparer le trail de Valfrancourt sans doute. Et puis quelques courses sur route en été. Maintenant, je ne me fixe plus d'objectifs précis. Je me fais plaisir en courant. Je suis blessé au niveau. J'ai une tendinite du moyen fessier qui m'embête depuis 2-3 ans. Donc, je me satisfais de courir maintenant et de donner le maximum. Et puis, ben, moi, pour ma part, je suis triathlète à la base. Donc là, je vais préparer Épinal et Taon. Parce que je n'ai pas repris de licence cette année. Je veux voir un peu pour remettre les automatismes en route. Voilà, donc du triathlon.